En quelques mots, l'enjeu de ce match, c'est la qualification pour la phase suivante de la compétition. Et c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons pour vous servir, pour vous faire vivre ce match. Le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva au programme. Troisième journée dans cette phase de groupe de Coupe du Monde, l'Argentine contre la Suède. Il faut jouer avec le cœur aujourd'hui. L'aventure est belle si elle continue. Il faut concilier la manière avec le résultat. Et voici le 11 qui va débuter pour l'Argentine. Ça joue dans un 4-5 ans assez conventionnel. Beaucoup de monde au milieu pour essayer de garder le ballon le plus possible. Place à la composition de l'équipe suédoise. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Très bien, cette protection de balle. Vraie faute, et l'arbitre là qui indique un coup franc. Lusovic sans problème. Ballon pour retrouver la possession. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Panini, oh la belle parade sur son plongeon. Le corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Ah non, ça va pas ce dribble et du coup ça sort. Ah non, le ballon est perdu là. Ouais, dans la profondeur. Ah non, ça siffle. Là, cette passe en profondeur avait transpercé toute la défense. C'était un peu trop beau pour être vrai. Dans le manuel de football, la définition de la bonne passe, c'est le geste juste dans le moment exact. Et là, c'est raté. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Ça joue, avantage. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Le ballon en touche. Oh, il s'est bien servi. Eh oui, le bon réflexe. Corner.
C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Interception décisive dans la surface. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. Elle est merveilleuse cette passe. Ah, le bon réflexe là. C'est un corner bien joué, bien frappé. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Attention pour mener au score peut-être. Et un arrêt qui fait du bien. Un corner qui est bien ajusté. C'est dégagé, aucun problème. L'action se poursuit. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Oh, attention à ce centre. Et c'est capté là sans trop de problèmes. Et ballon dans la profondeur. Ouais, la parade. Le corner. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Et c'est bien donné dans la profondeur. Ah, occasion manquée, dommage. On a une équipe qui tente beaucoup de choses, qui frappe beaucoup au but, mais pour l'instant qui n'arrive pas à prendre l'avantage. Le plus important, c'est de conserver la sérénité et essayer de maintenir la pression sans céder à la frustration. Jakobsen. Ah, c'est manqué et les Suédoises ratent l'ouverture du score. Il ne faudrait pas qu'elles regrettent ces opportunités. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Oui, la belle incursion là. Rodriguez. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Et une occasion de contre à négocier. Et la défense peine à revenir. En feu. Oh, c'est le but. Et il est très important ce but. Il peut leur offrir la qualif. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et bien joué dans la profondeur. Allez, c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. Ah non, hors-jeu, c'est sifflé. Le temps additionnel, 2 minutes minimum, encore à jouer.
dans le couloir. Jakobsen. Eh bien vu, la passe en profondeur. Ah, il s'est bien anticipé cette passe en profondeur. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Et voilà, le jeu qui reprend dans ce match. Et non, ballon perdu. Attention à cette occasion. Oui, bien joué, la bonne intervention. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Cruz. Ah, le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher l'égalisation. Ah non, l'équipe adverse là, qui intercepte. Ah, l'option de la contre-attaque est possible. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ah, bien anticipé, le ballon est intercepté. Eh bien fait, quelle ouverture! Et non, finalement, ça n'ira pas plus. Oui, bien fait ça. En bonne position pour égaliser. Bonne intervention de la défense, mais il y a toujours une grosse pression de l'adversaire. Aslani. Ah oui, l'excellent ballon. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Ah non, ça s'arrête là. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Oui, la parade. Et le changement va donc avoir lieu. Et le staff décide donc de faire un changement.
le corner. Aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Le centre qui est contré. Ça sort en touche. Et la frappe, Lustovic, sans problème. Le ballon dans la profondeur. Et ce ballon peut faire mal. Oh là là, le ballon sur la transversale. C'était vraiment tout proche. Ici, on voyait la trajectoire plus à l'intérieur. Hein. Mais finalement, ça sort tout juste. Pas de réussite. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Et le but pour la Suède. C'est bien fait de la part de Suédoise. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Et c'est bien joué, elle est en bonne position. Et c'est le but! Et oui, voilà! Plus qu'un but de retard maintenant. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et derrière, loin contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ah, le drapeau se lève, c'est un hors-jeu. Dépossédé du ballon. Rodriguez. Oui, bien fait ça. Le centre ne trouve pas sa cible. Ah, ce ballon dévié sort. Corner à suivre. Ah ben, c'est un changement donc. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Ballon pour égaliser. Oh non, et c'est un but qui peut peser très lourd dans la balance. Ce but pourrait bien les éliminer du tournoi. Le football est imprévisible. Maintenant, ils ont besoin d'un but rapidement. Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien vue. Ah, quel magnifique état d'esprit pour revenir dans le match. Le score est de parité. La suite de la rencontre va être belle. Plus que 5 minutes. Eh bien fait, attention à l'occasion. Parade miraculeuse, quelle belle intervention. Quelle maîtrise, quel sang-froid. Ce face-à-face brillamment remporté permet de maintenir son équipe à hauteur. C'est un corner bien joué, bien frappé. Quel miracle, ballon sauvé sur la ligne. Oh oui, la frappe. Ah, le but incroyable. Quel délire.
quelle folie! Comment est-ce possible? Mais comment font-ils? Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça, je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Et nous jouerons au minimum 3 minutes supplémentaires. Très bonne intervention, sans faute. Et voilà, c'est terminé et on s'y attendait, c'est fait. Maintenant, elles sont éliminées de la Coupe du Monde. Quelle déception! Cette défaite est fatale pour leur espoir. C'est clair que la déception est bien là, mais on apprend à travers les échecs.